On joue. bon, ben. Attends, je suis pas non plus à faire du Fortnite. Oui, je vais faire Clear Sky. Faudra que je regarde pour quand je ferai les vidéos s'il y a moyen de faire avec le complete parce que c'est juste ici le premier qui passe pas. Pas pourquoi. Je vais pas essayer les autres non plus, mais bon, soit. Voilà. Ça va être bon. Non, c'est pas bon. Pourquoi tu me casses les couilles? Vous voyez bien le jeu là ou... On voit pas le jeu. Voilà qui est embêtant. On va essayer de relancer. Plus mieux. Si on est au minimum dans le menu, c'est trop. Après, il faudra voir en jeu. Une fois tous les 3 ans, donc regardez.
lien sur la page mode DVD. Il m'a l'air très vivant, ce cadavre. Sacré petit vénard. Si t'étais mort, tu serais débarrassé de ces cauchemars. On va voir combien Sidorovitch va me donner pour t'avoir. Bah, je vais tous les faire. Il n'y a rien du tout non plus sur Veik. Qu'est-ce que tu m'apportes? Un corps. Il est arrivé avec le corbillard. Il porte le tatouage. Oh bah t'as l'habitude, tu le déposes sur le... Ce type-là est vivant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est des conneries. Je te jure sur ma tête que c'est la vérité. Pose-le là. Eh ben, d'après ce que je peux voir, ce type-là doit valoir... Salqué. Alors le tatoué, je te signale que je t'ai sauvé la vie, et j'ai pas fait ça pour me faire mousser, c'est pas du tout mon genre. Alors bon, voilà le marché. Si tu bosses pour moi, on est quitte. Et puis le fait de t'occuper un peu, ce sera un bon remède à ton amnésie, hein? Ça peut pas te faire de mal. Je vais essayer de te trouver des infos concrètes sur ton problème. J'en ai rien à faire, moi, des raisons pour lesquelles tu dois trouver Strelok. C'est pas mes oignons. Tu veux lui faire la peau? Ouais, c'est toi qui vois. Tu dois sûrement avoir tes... Pourquoi tu t'approches pas plus? Allez, viens! Je mords pas! À voir, ça. On est à foutre. J'arrête de me casser les couilles avec ça. Ah, évidemment. Fais ton choix. Soit j'ai un boulot. Le cheat directement. Tu rentres un truc dans une console, c'est un cheat. Oh, calme-toi, hein. Pour désactiver l'accélération souris qui apparemment est de base activée dans la version Steam. Ceci est trop élevé, même au minimum. Оружие убрал. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие... Ты ствол-то убери. То ли зону от нас охраняют. Оружие убрал. Солдаты, блин, тоже... Человек... Так, убери оружие. Putain, cette vitesse de déplacement, je me rappelais pas qu'on allait si vite. De toute façon, si, ça va vite me donner le cancer. Я ранен! Я ранен! Prends ton pack de Merci, soins. Merci, tatoué. T'es un gars bien, tu sais. Je manquerai pas de dire aux autres que tu m'as aidé. Oh, pas merde, l'historique. Ouais, la qualité est sûrement sur le stream meilleure que mes premières vidéos de Stalker. Ouais, de toute façon, ici, le jeu, il y a tout au max. Je pouvais pas faire à l'époque. Mets-le en sourdine, ou je te casse la gueule.
Après. On va éviter de l'abîmer. Dans celui-là que les missions sont timées. Alors le tatoué. Il va y avoir une touche pour les sauvegardes rapides. Si c'est fait. Je te signale que je t'ai sauvé la vie et j'ai pas fait ça pour me faire mousser, c'est pas du tout mon genre. Alors bon, voilà le marché. Si tu bosses pour moi, on est quitte. Et puis le fait de t'occuper un peu, ça sera un bon remède à ton amnésie, hein? Ça peut pas te faire de mal. Je vais essayer de te trouver des infos concrètes sur ton problème. J'en ai rien à faire, moi, des raisons pour lesquelles tu dois trouver Strelok. C'est pas mes oignons, fais ton choix. J'ai un bout... J'ai pas de tu. Bon, prends un peu l'air et entre. Prends l'air et rentre. Тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, вспотел. Дошел и руками показывает. Брешут, что тут аномалия. Оружие убрал. Блин, так не смешно же. Оружие убрал. Ты ствол-то убери. Нормально. Там он что-то. Разнули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и... Так, убери оружие. Bon, c'est perturbant d'avoir l'inventaire là alors que penser à droite. Pas mal, bien joué mon gars. Les raccourcis aussi qui ne sont pas là. Pas mal. Belle prise, Stalker. Так, убери оружие. On a un bout de papier, mais on a de la régène. Так, убери оружие. Déjà un début, hein. Plus ou moins. Salut, moi te dis-je. Merci le tatoué. T'es un gars bien, tu sais. Je manquerai pas de dire aux autres que tu m'as aidé. Командир, там придурок какой-то внизу шляется, шумнем. Отставить. Нежели на мелочь бы запас тратить. Но пусть живет. Mets-le en sourdine, ou je te casse la gueule. Thank you.
Et moi, diminuer la sensi encore plus bas en changeant des valeurs. Utiliser Cheat Engine, donc on va éviter. Chotty, ça passe mieux, hein. Je dois une fière chandelle, mon frère. Merci beaucoup. Oh, je m'en frère. Ouais, là de toute façon Mister X il va probablement faire autre chose. On s'en en fond parce qu'il aime pas du tout le jeu.
Ouais. D'un tireur de talent, donc pas le personnage que l'on incarne. Так, убери оружие. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалёку. Vu la façon dont il tire dans le premier, à mon avis, il doit tenir son flingue comme ça, tu vois, ou le sac à lâche comme ça. T'as le butin ? Y a un artefact dans une des maisons. Dès écoute, le début. Bon, voilà ce que je sais de ce... Parfait. Une fois que tu auras... Tu vas devoir aller au nord par la décharge. De pseudo-chien. Bon, bah, parfait. Ah bien. Merde, j'ai sûrement vendu le mien en fait. Pas mal. C'est de la bonne marchandise que t'as là. Oh ouais. Ouais ouais, c'est pas mal. Bien joué mon gars. Grâce à toi, j'ai fait une bonne journée. Pas mal. Belle prise, toi. Effectivement, vendu mon pistolet. De toute façon, j'ai pas besoin de... Le silence. À quelque chose. Bon, ma part. Bon, prends un peu l'air, rien. Ну и кого-то зашиб. Народ переживает, сочувствует. Надо же, как не повезло мужику. Так, убери оружие. Ça sera des flèches. Ah non, c'est des chiens derrière en fait. Ouais. Ouais. Non, en fait, on m'a donné une méduse, moi j'aurais pu le faire. Ah non, c'est Flore, pour ça que Tirisso. Autant pour moi, la méduse n'a pas cette gueule.
Où le ouf ouf? Le loup, usine sécurisée. Retour au poste de départ. Terminé. Ils m'ont envoyé tuer 50 milliards de chiens. L'autre en deux balles s'était torché, celui-là. Так, убери оружие. Или маленькая, а на карте ее нет. Так, убери оружие. Pas mal. Bien joué, mon gars. Grâce à toi, j'ai fait une pas mal. Belle prise, Stalker. Réfléchis, mon pote. Tu pourrais être à sa place la prochaine fois. Alors sois super prudent avec les anomalies. Dès que t'entends le détecteur biper, prends les boulons et jette-les devant toi. Mais Sidorovitch, qu'est-ce que t'as la moindre putain d'idée de ce que je suis en train de faire là? Hein? Hein, Sidorovitch? Putain, une réponse à cette question? Non. Tire des radiations. À quelque... Prends un peu l'air et entre. Так, убери оружие. Оружие убрал. Ты ствол-то убери. Оружие опусти, мужик. Оружие убрал. Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. Alors, j'ai une grenade, des babales, beaucoup de babales. Jusqu'à une portée de 150 mètres. Sauf que dans un canon court comme celui-là, à 15 mètres, du moins dans le jeu, la balle elle part là, ou là, ou là, ou partout, sauf là où tu vises.
Ouais, c'est l'air de rien, le slug, ça peut aller très très loin. Et précis. Bon, après, tire à 500 mètres, tu dois quand même bien viser en l'air, quoi. C'est des balles assez lourdes. Je sais pas si à 500 mètres, ça fera encore vraiment beaucoup de dégâts. Alors ici le truc c'est qu'on casse les couilles. Oh il s'est fait mais jeter avec une violence peu commune. D'équilibrage quoi, si dans un jeu tu pouvais one tap quelqu'un avec un shotty à 100 mètres, l'équilibrage du jeu il serait cassé, hein. ça vaudrait même pas la peine d'essayer d'y jouer avec autre chose qu'un fusil à pompe du coup. Dans Insurgency ça a été comme ça avec dans Insurgency Sandstorm ça a été comme ça pendant un moment. Et bon bah c'était casse-couille quoi, tu te faisais les mecs avec des fléchettes justement, ils mettaient une balle à 300 mètres et tu pleurais en un coup, bon ça va, nickel. Que ce soit dans le pied ou quoi que ce soit, donc ouais, c'est des raisons d'équilibrage. En plus Call of Duty c'est un jeu qui se joue vraiment presque au corps à corps, donc t'as pas beaucoup de grandes maps, donc pas être super agréable quoi. Même si il reste quand même assez puissant, de rien. Ouais, il a l'air d'en avoir bavé et il a besoin d'aide. Il a des sortes de créatures sur lui qui sont en train de l'achever. Il en a plus pour longtemps. Il se pourrait qu'il sache un truc sur Strelok. Tu dois aller le voir illico. Tiens, place à position. Défendre une manœuvre de contournage. Ouf, on en a fini avec ces mutants. Voilà. Je pense que dans Stalker Mauve. Oui. Indiqué. Thank you.
j'ai pas envie d'acheter leur matos militaire, moi. Je les tue et j'ai du matos militaire, c'est plus simple. Mentionné n'est pas une arme d'une grande précision. Je me rappelais pas qu'il se faisait jeter une force. Pareil. Servir quand j'en aurai des balles. Des balles. Oh, putain. Français. L'idée d'inventer le français, bordel. Y'a pas des langues plus simples à utiliser, non? J'ai rien sur moi. C'est les bandits à l'aide! Merci vieux, je t'en voudrais ça. Écoutez, ici le commandant de l'unité neutre. On a fait sortir les bandits de cette casse pourrie. On attend une contre-attaque. On n'est pas nombreux, alors tous ceux qui veulent donner un coup de main sont les bienvenus. Parfait.
blablabla. Брики в замке. Il a un truc qui fait mal. Alors bah souvent cliquer sur tout prendre, magnifique. En train de se vider de son sang. Pardon, c'est pas gentil, je sais. Поговорим, только сперва пушку спрячь. Ok, bonne soirée Nero et à demain. Maintenant, donnez-moi vos armes et vos munitions. Excellent.
J'ai 19 packs de soins, je sais même pas ce que je vais en foutre. Je vais y aller, vous me direz bien. Mais... Non, reviens, reviens. Non. Non. Parfait. Oh non, il a bugué. Oh l'enculé, il a bugué. Oh les enculés, ils ont bugué. Putain, mais la masse qu'il en a! C'est indécent. Non, là, il est perdu. Oui, littéralement, là, il reviendra pas, lui. Il s'est pris pour Spoutnik, c'est bon, au revoir. C'est qu'une fois que la physique les a plantés comme ça. On en a récupéré deux, il y a un truc qui vient de taper à côté de moi là. À mon avis, sa physique était aussi buggée, du coup on ne le reverra pas. Mais bon, allez, on en a déjà 3. C'est déjà une très bonne performance. Ça, c'est une très bonne performance. Ça veut dire que ma vie va se régénérer toute seule comme une grande. Une bonne fifi que j'ai bien appris. Ah tiens. Coucou toi. On en fait 4. C'est bon. Le seul côté négatif, c'est que maintenant je prends Bagdad à n'importe quelle balle qui va passer. Attendez, on voit littéralement ma vie remonter à l'œil nu. Ah
dire que le jeu de base était vachement, vachement généreux. Ça c'est un gravier. Là où il y a ma tête. Décollage. On a été attaqué par un groupe de bandits. On a besoin d'aide. On est dans la merde, mes frères. Aidez-nous. Les bandits sont devenus fous. Quelqu'un m'entend? On est mort. On avait quand même vachement plus d'endurance aussi. Nous d'abord à repousser cette vermine, mon frère. Ça batch. On parlera plus tard. Пацаны! Au boulot, les gars. On les a massacrés. Reposez-vous un peu. Nettoie le cœur. Viens par là, on discute. Damn, que... dans leur façon de le dire. Убрал. Агроб. Мерде. Пока я repris une оружие убрал. А, mais oui, c'est. C'est de la drogue, vous inquiétez. Ствол-то убери. Оружие опусти, мужик. Yeah.
Ah ouais, c'est vrai, ils traversent comme des bâtards. Des bâtards. Ça, c'est bien. Performante. Voilà. Salut Deep. Par le stream de Stalker alléché. Hey, faut que tu me files un coup de main, mec. Les militaires vont anéantir le groupe de la taupe. On a besoin de l'aide de tout le monde. Prends ton flingueur, toi. Précision légendaire des armes de Stalker. Aidez-moi, mes frères! C'est mes seuls. Au bon état, je m'étonne qu'elle s'enraye déjà. Ah oui, j'ai choisi la bonne en fait.
le garder en petit chutis pour les sangsues qui vont arriver à Agropron dans les sous-sols. Merde, j'ai jeté. Merci, vieux. Tu m'as sauvé la vie. Mettez-moi une. Les Troufions ne lâchent jamais prise. On doit mettre les voiles avant que le détachement spécial arrive. Viens, je vais te guider. Le walk, je vais pas beaucoup m'attarder sur les conneries à gauche et à droite. Oh, c'est calme ici. Parfait pour attendre la fin de l'attaque. Oh, c'est le futur. Ray m'a révélé ce que tu cherchais. C'est sous terre par ici, quelque part. Pas où exactement. Fais gaffe à toi, et bonne chance. Oui. C'est la base, hein. La zone, après tout. On aura quoi? Tienne le PDA avec ses mains? Absolument ridicule. C'est capable, on va se tirer. C'est des morceaux de viande. Enfin, c'est le nom de l'artefact.
rafale qui s'est pris dans la gueule. D'armes en plus ou moins bon état en fait. Peut-être en artefact. Je croyais que c'était dans une des caisses, mais donc, pelote comme ça. Question moins 20. Là j'avais mis des bebelles. On a largué une. Clé USB quoi. Bon, on va bazarder, enfin on va terminer les balles que j'ai ici. Et puis... Perforanteuse. Après je pourrais bien la bazarder parce que c'est pas grand chose. Voir.
mec il te fait des saignements à distance. Fuck. Ah, le décor qui ne veut pas coopérer. Non, c'est génial. C'est un bruit de... C'est cool. Bruit particulièrement agréable. Ils sont en restriction budgétaire hein, au niveau des gardes ici. Oh merde, j'ai plus de... Ouais, normalement, il faut bien avoir un moment où tu... où ça marche. En même temps, tu poses la question à Moobot, hein.
sens des priorités impeccable. Je ramasse l'arme avant de m'occuper du mec qui me tire dessus. Je crois que c'est que dans Clear Sky, ça. J'ai rejeté un coup d'œil, mais je crois que le tunnel existe. Ça fait le jury. Il n'y avait pas de réparation dans celui-là. Qu'est-ce que tu crois? Dans celui-ci, tu vis à la dure.
pour le Fallout Dozor. Pas été du luxe d'avoir au moins des petites améliorations de précision de trucs dans le genre parce que les pétoires pas trop ça. Sérieux? Le Kirizi à 90% et ça s'enraye. Ma gueule. Cadence de tir. On la trouve dans la planque de Strelok, une arme unique. Mais bon, bah, reste que ça tire n'importe où, mais c'est une cadence de tir de malade. C'est littéralement la définition du prêt and prêt quoi. Ses pieds. Regarde cette cadence de tir. Ridicule. Ok donc. Je vais avoir mis dans les pieds apparemment.
te plaît. Un peu résistant, hein, mais sinon ça va. Mais... pour avoir Twitch Prime, ça passe par l'abonnement Prime de Amazon en fait. Donc tu as un abonnement Twitch Prime gratuit fourni avec le Prime d'Amazon en fait. Je crois que c'est Amazon qui avait racheté Twitch, hein. Du coup, bah, ils font des offres. Il y a 50 milliards de méduses qui se baladent sur la map. Pas que. Un manque de marchands dans le coin aussi. Là. Regardez ça, stop. Oh, j'ai 50 milliards d'hélices de touristes. Étonne que je me déplace pas. Mon cadeau. Lui aussi. Il n'y a pas d'émission dans le premier. Ah, les obokans. Ça va repasser en fait. Ah, ouais, genre. Ah, il y en a encore. Ok. Encore un planqué dans les buissons. Eh, il faut un début, hein. Je crois que Rome s'est faite en un jour. Stalker non plus. Ok, il y en a.
J'aimerais bien être aussi tranquille que ça. Ok, il y en a qu'un qui a pris les dégâts. Deux autres, la bordure les a sauvés. Un petit peu l'histoire du développement de Stalker ou... C'est un jeu qui aurait jamais dû exister là-bas. Hein. Le projet a été refait un milliard de fois. Tant qui ces enfoirés. Ils sortent! Putain! On va faire le chemin par la gauche. Ça allait très bien. Marche aussi. C'est vraiment à partir de maintenant que tu dis qu'il faut une mission différente. Qu'est-ce que tu attends alors? Qui en est.
Si, ça m'est arrivé à quelques occasions de passer en semi-auto. Mais ici, que tu sois en semi ou en full, la précision est identique, donc... En soi, il n'y a pas réellement de... Une raison de passer en semi, si ce n'est d'économiser des balles, et encore, tu risques de te faire surprendre par un ennemi qui vient en corps à corps et tu seras en semi, donc... C'est mieux le full auto. Après, je te conseillerais plutôt d'y jouer en vanilla en premier, avant d'essayer avec des mods. Bon, si tu joues avec des mods et qu'après... parce que bon, généralement les mods en standalone, c'est un rework complet. Donc tu vas dégoûter en fait du jeu original. Bon bah, t'attends une promo, le jeu il vaut 5 balles. Présente la colline. Bon, les spawns sont quand même aléatoires, donc tu peux avoir de la chance et comme tu peux très bien pour en avoir, c'est-à-dire avoir blindé d'artefacts ou pas du tout blindé d'artefacts. S'agit-il ouais non t'as juste une entrée et une sortie. Enfin, un seul passage quoi. Office d'entrée comme de sortie. T'as bien le temps de jouer à Clear Sky. Alors tu fais comme moi, tu prends ta vie en main, tu arrêtes le travail pour faire du streaming. Et tu as tout le temps que tu veux pour... Oh, ouais, ouais. Encore par là, mais bon, on est à la limite de la surcharge. Mission performante. Non. Pas vrai. Bonjour. On vous donne un secours. Ok, on a... Allez, modèle en plus, on va... Écoutez, on a sous le canon pour faire une arme universelle. Mauvais état, donc je préfère garder. Ah non ça. Oh putain ça.
Hop. Bonne année. Dans son mur, enfin dans son. Оружие убрал. Aucune endurance. Votre attention. Ici l'avant-poste du devoir depuis la décharge. Une horde de mutants sort de la vallée obscure et se dirige vers le bar. Tous ceux qui nous aideront à repousser cette vermine seront récompensés. Le devoir le promet. Stalker en tuant ces mutants. Apposté, enfin, pas de quoi en faire un plat. Apposté, alors si tu veux passer, faut payer. Évidemment, il n'y en a aucun qui a du loot. Apposté, dégage, Stalker. On laisse pas passer n'importe quel naze. C'est là que je comprends pas pourquoi dans les modes, quand tu passes sur Rostock, on te fait spawn mais à 10 putains de kilomètres de la barrière. Là t'es après la courbe. Ouais les gars, sympa. Continue à me donner des coups de dents.
Et un autre truc casse-couille dans celui-ci, c'est que toutes les missions sont timées. Enfin, toutes. Toutes les missions que tu acceptes, allez, un marchand ou l'autre, bah, il y a toujours un certain temps pour l'accomplir. Sinon, ça fait un échec. Tuer le chef des bandits, revenir pour toucher la récompense. Éliminer les bandits, revenir pour toucher la récompense. Voilà, donc j'ai un jour pour retourner. Accepter 15 milliards de récompenses. Sors de là, Stalker. Vétéran de Tchernobyl. Sors de là, Stalker. Rejoignez la faction de devoir. Notre responsabilité est colossale. Il faut protéger le monde de l'expansion de la zone. Attention, Stalker. Mais bon. On a besoin de volontaires pour des missions risquées. On trouve pas des milliards de thunes en général. Il y a souvent des armes en bon état. Peine à gauche et à droite, mais ça s'arrête là, quoi. À moins justement de faire toutes ces missions là, mais bon, c'est souvent. Pas ce couille. Je t'ai dit d'entrer, reste pas planté là. Et le tatoué, ça a bien joué. Ok, ta mission est de. J'ai un gros problème de confiance en soi. Tu me respectes ? Tu me respectes ? Hey ! Tu me respectes ? Un morceau de viande, évidemment. Là, tu l'auras pas. Hop. Peut-être la bouffe, d'ailleurs, on s'en bat les couilles dans celui-là. Médicaments anti-radiation. Une tonne. Bondage. Peut-être très utile, Stalker. Viens, viens. J'ai toujours quelque chose d'intéressant pour les gens comme toi. Les infos pourraient être très utiles, Stalker. Quand est-ce que tout ça va? Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает даже от там не за хабаром. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по ветками разбросает. Quand même avec 55 petits 1000 roubles. Embauche plus. Président. Attention, l'ennemi s'est infiltré sur notre territoire. Ouais, l'habitude avec le mode où t'arrives. Hey, coucou les gars. Et là c'est une autre histoire. Et ouais, ce que je pourrais faire, c'est bazarder ma merde là dans le coffre et puis aller accepter l'émission de Sidorovitch. Là, on me demande de faire. En fait, quand. Non. Faire le plan original. Ouais, c'est un bug extrêmement connu en fait. Je sais pas pourquoi, mais le mec il dit tout le temps hors de là, Stalker. Votre attention, ici l'avant-poste du devoir depuis la décharge. Une horde de mutants sort de la vallée obscure. Tiens, ça me rappelle un mec qui pleurait tous les jours parce qu'il faisait la guerre des factions, hein ? Le devoir le promet. Par contre, je vais passer la map et je vais l'épicer. Dégage, Stalker. On laisse pas passer n'importe quel naze. Tu as fait du bon boulot, Stalker, en tuant ces mutants. Enfin, pas de quoi en faire un plat. Alors si tu veux passer, faut payer.
Ça va, tu t'en remettras? Je ne sais pas si c'est juste si on les tue pas tous, ou si on en laisse un certain nombre en vie, ou si tout simplement on les attaque pas du tout. Il y a moyen de faire la mission pour eux. Enfin, pour les mecs de la barrière de... Ouais, c'est à partir du moment où Voronin, je crois, nous demande de faire une mission pour lui qu'on peut passer. Stalkers, si vous recherchez un endroit pour dormir, manger, boire un coup, discuter un peu, ou trouver un petit boulot, alors le bar Ratsan est fait pour vous. On est toujours ravis d'accueillir de nouveaux clients. Stalker libre, vétéran et chasseur, rejoignez la faction du devoir. Sors de là, Stalker. Fléau de la zone est notre objectif commun. Stalkers, si vous recherchez un endroit pour dormir, manger, boire un coup, discuter un peu, sors de là, petit boulot, alors le bar Ratsan est fait pour vous. On est toujours ravis d'accueillir de nouveaux clients. Stalker, attention, Stalker. On a besoin de volontaires pour des missions risquées, mais bien payées. Venez au bar. Je t'ai dit d'entrer, reste pas planté là. Tu peux pas. Après, ça c'est assez étonnant. T'as rapporté les documents, là. Bien joué. Okay. Les traductions et je veux dire, le voice acting est quand même pas mal du tout. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de la part d'un petit jeu comme ça. On va voir s'il me demanderait éventuellement pas. Des artefacts que j'ai. Autre. Un morceau de viande. Regardez les artefacts. Comment j'ai fait ça? Même à ce moment-là, je pense même pas qu'ils vont. Enfin, qu'ils rachètent ça à un prix. Particulièrement ouf. Comment j'ai fait ça? Tu peux pas aller là-bas. Il veut pas équiper mon. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit d'entrer, reste pas planté là. Ah bah oui, c'est pour retourner en barre, ok. Voilà, mais c'est dur. c'est comme je dis, une fois que t'as joué avec trop de modes, ou peut-être dans les nouvelles versions du jeu, t'as tellement pas l'habitude de tous les petits éléments qu'ils ont rajoutés au fil du temps, qui te rendent la vie beaucoup plus facile. Bon, comme je l'ai dit, je vais aller vidanger et prendre un petit tour. Par contre, le strip. Assez tôt aujourd'hui, demain j'ai rendez-vous chez le dentiste très tôt, donc on va pas trop abuser. On revient tout de suite.
Stalker. Protège le monde de la zone. Alors. Engage-toi dans la faction du devoir. Parons nos deux missions là. Salut Abusator. Des anomalies mortelles. Ah, il y en a deux, c'est bon. Des mutants dangereux. Des anarchistes. Des bandits. Et voir Spectre. Non, si on peut déjà aller au territoire sauvage. Histoire d'aller capter une petite lunette ou l'autre. Peut-être en TRS. Des trucs bien quoi. Vanilla, ils sont habillés comme ça. Оружие убрал. On va voir un marchand où t'en prends du stuff. On va passer à la map suivante. Le truc c'est que si je l'ai tué là, j'aurais jamais pu les loot, donc pour les laisser passer tant qu'à faire. Thank you.
L'endurance, c'est quelque chose. Hein. J'espère qu'il aura un peu plus de stuff ce coup-ci. Et surtout, poisson énergétique. Énergétique. Ah bah oui, il faudra. Putain. Entrée appuyée. Merde, j'ai pas de grenade. Ouais. Là, je suis même pas surchargé. Ouais, bien sûr, mais bon, bah... Je regarde les militaires avec leur paquetage complet, ils doivent faire des dizaines de kilomètres tous les jours, mais... Bon, bah voilà, quoi. Je veux dire... On va faire un effort, quoi. Suivant cette logique-là, plus tu bois, plus tu pisses, hein. J'ai lui fait boire des boissons énergétiques toute la journée et je l'ai jamais vu aller pisser, hein. Je me dis, y a quelque chose de bizarre là-dedans. Ah oui, il va me demander d'aller faire sa petite mission spéciale. Ствол, опусти ствол. Ствол убираем, ага. Висит на базе долго объявление. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две. On serait pas littéralement dans la merde. Il y avait ça dans... Enfin, il y a ça tout simplement dans... Scum. Quelques... Faut que tu gères tout ton métabolisme et tout ça, et c'est... des casse-couilles. Bon. Scum. S-C-U-M. C'est une sorte de copie de Daisy. Je vais dire vite fait. Pas mal. C'est de la bonne marchandise que t'as là. J'ai vendu toute ma merde, mais c'est pas grave. Parfait. Bon, repasse si t'en trouves encore. Bon, prends un peu l'air, rien. Так, убери оружие. Ah oui, j'ai censé... Ah ouais, ok, il m'a refourgué un tas de munitions perforantes, c'est bien ça. Bah... Les gens voyaient ce jeu comme le Messi et tout ça, puis quand il est sorti, les gens sont vite retombés sur terre. Là-dedans, un seul état. Il y avait des systèmes de gameplay très, très intéressants, mais... Un petit peu... Enfin, je vais faire une comparaison qui... Ouais. De loin, je dirais c'est un petit peu comme Escape from Tarkov, t'as 3 milliards de paramètres à prendre en compte quand tu fais quoi que ce soit. Et bon, bah... Donc les gens...
casse-couille, quoi. Envie de jouer en jeu quand même. T'as pas envie de jouer à... Faut boire, faut manger, faut pisser, faut chier, faut pas vomir, faut faire attention à ta température, faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Oh bordel, quoi. À la différence du Long Dark, c'est un jeu solo. C'est pas aussi extrême que ça. Les balles partent dans le sol. Pas de problème là. C'est qu'il y a des mines sur les côtés. Et bon bah comme vous le savez, les mines c'est pas bien. Bordel. Kevlarus. Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien les jeux de simulation et tout ça, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême de l'extrême. Ouais, pff. Ça dépend de comment on joue, je sais pas trop, c'est... Allez, un point A, un point B, tu vas prendre 2 heures, ouais, génial. C'était cool. Le perso est tombé malade 3 fois sur le chemin, il a fallu que je me batte pour avoir à bouffer et tout ça, c'est pas... Ouais. Et mourir de faim 3 fois, il a fallu que tu pisses, il a fallu que tu chies, ouais, c'est génial. Ouais, mais c'est des Long Dark et Scum, c'est pas du tout comparable. Pas du tout. Ah,
Bon. C'est-à-dire que tu compares un jeu solo qui a été fait pour que ce soit quand même une expérience agréable et un jeu ultra hardcore qui a été fait pour que tu en chies littéralement à chaque pas que tu fais. Un moment que j'ai plus été sur 16 d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs pour les Français, comment ils ont fait le X-Ray Gun pour contourner le bannissement des caisses. C'est pas comparable, c'est juste pas comparable. Faudrait y jouer pour voir vraiment, enfin même regarder des vidéos simplement. Regarde des vidéos, c'est pas du tout comparable. Déjà, tu peux pas comparer un jeu de survie solo et un jeu de survie multi. Avec d'autres joueurs qui peuvent venir te tuer à n'importe quel moment juste pour faire chier. Le fait que t'as une jauge de maladie, le fait que t'as une jauge de température, le fait que tu dois bouffer, le fait que tu dois aller chier, le fait que t'as tellement de conneries qui rentrent l'une dans l'autre que non, le jeu il est juste chiant en fait. Ah. Peut-être été trop vite en besogne là-dessus. Avant ça. Bon bah maintenant, par ici la sortie. Pas mal. Belle prise, Stalker. Voilà, pour mettre les choses en perspective, ça c'est la fiche de caractère de ton personnage avec toutes les stats que tu dois prendre en compte pendant ta partie.
Pas bien, Axe. J'ai pas fait attention que sa précision aussi était bien bien augmentée en fait. Tu pourrais faire gaffe où tu tires s'il te plaît. Là, je crois que ça allait mal se passer. Mais c'est ce que je dis, c'est... Tu lances le jeu, il te faut limite en PhD, histoire de comprendre ton personnage. C'est casse-couille, quoi. C'est même plus en jeu à ce moment-là. Hey, honey. Well, doing the Stalker games once more. Vanilla this time. Yeah, some time ago. If I remember anything from the game. Yeah. I have to admit, I don't remember the whole quest line. Yeah, I had the same problem at the time. Rejoignez la faction du devoir et sauvez des innocents. I had no actual mission, but I can't remember what I did. Vétéran de Tchernobyl, rejoignez la faction du devoir. Notre idée d'entrée reste pas plantée là.
Дегаж. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что надо думать? Ah, mais non, ça c'est à moi. Putain, j'oublie à chaque fois, l'inventaire est inversé. Utile, Stalker. Il y a toujours quelque chose d'intéressant pour les gens. Ouais, j'ai joué à la même chose. Là, je comprends. Non, là, elle est chiante. Très utile, Stalker. Eh, laisse-moi tranquille. Comment j'ai fait ça? Fusil de chasse. C'est la même chose jour après jour. Arène. Viens, viens. Il y a toujours quelque chose d'intéressant pour les gens comme toi. Les infos. Really, I can't really remember what I've done when I didn't have any quest. I think I've just turned on the turned around a few times and finally found the solution, but I couldn't say like this. Je peux? Ah ben on me demande d'aller là. Ah oui, c'est pour la mission de l'autre guignol, ça, retrouver son flingue. Oups. Gardons-le le chemin. Did you deactivate the radar and brain scorcher? Le Doberman, on a de la visite. Un stalker vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais tout le monde sait ce qu'on fait avec les témoins. On le finit et pas d'histoire. Bien reçu, je m'en occupe. Elle commence un peu à tomber. Vous avez réussi votre coup, Doberman. Un hélico militaire est sur le point de nous réduire en bouillie. Se balade là tranquille. Have you seen the new cache on CSGO? Non, Stalker tout court. Pourquoi ça sert que je mette en titre si personne le lit, bordel?
moitié de notre équipe. Pas même ça. Vous ne le regrettez pas. Aidez-nous à sortir de l'embuscade par le coup. Et chargez les portes. Faites attention. Le Doberman et ses hommes sont prêts. Ça suffit, cette conversation est terminée. Ça va devenir très moche. Comme vous voudrez. Ça. Va augmenter notre potentiel de sprintage. L'idéal ce serait d'avoir deux upgrades de celui-là et peut-être trois de celui-là. Là, parfois on a de la chance et on a du bon stuff. Parfois on n'a pas de chance et on peut pleurer dans un coin. Malgré le fait que je sois à moitié de mon poids transportable, j'ai encore
sprinter et voir mon endurance qui augmente au lieu de diminuer. Flash, c'est pas dégueulasse non plus, donc on va faire ça. Bien, ça, très très bien. Merde. Mettre de côté alors que je dis que je vais le garder, non, c'est pas grave. Hop. Là, on a de la bonne régène quand même. Et on a de quoi sprinter. Au bout de la nuit. Là, là, là. Ils l'ont appelé la franchise en français, c'est une référence, mais on va l'appeler par un nom que personne ne connaît. Et plus mieux, n'est-ce pas. Chasse de famille. Le guignol. Ça vaut brûlure chimique moins 30%. Waouh! Le truc qui fait les brûlures chimiques, c'est les sortes de... d'anomalies qui pendent au plafond. Ouais, et aussi les sortes de trucs dégueulasses verts. On te croise jamais. On s'est fait quelques balles de 5,56. C'est bien. Si, ça j'en ai deux, il m'en faut plus. Ouais! Être encore plus parfait, éviter d'avoir l'autre guignol qui crève au bout de deux pas. On va déjà aller s'occuper des autres cons. Terrace en parfait état. Ah, il y a celle dans le tuyau ici. Ouais, dans le tuyau, coffre. C'est la même chose. Les mots non plus. Petit coffret. Il spawn après, c'est con. Non. Ok. Dans le coffre au-dessus. Normalement, il n'y a plus personne. Tellement. Pas non plus. Tout ce que vous voulez, le tatoué. Mais vous passez devant et je vous suis. Je suis qu'un soldat de troisième zone, alors c'est vous qui devriez aller en reconnaissance. Des chujoy! Bé! Bé! Hurrah!
Les autres, ils vont crever, on s'en fout. Pour la bonne cause, comme on dit. Ils nous suivent! Elle le tatoué, arrêtez-les! Vite, avant que quelqu'un débarque ici. Quand même que l'endurance soit oui. Beaucoup plus vite. Il y a une colonne vite. De feu dans le tunnel. On devrait se séparer et y aller chacun son tour. Une colonne de feu, hein. Une. Juste une, hein. Je crois qu'on va faire deux allers-retours pour aller jusqu'à Yanta. Merde, il est passé. Ah bah j'ai plus que ça. Décide l'autre con. Et franchement. Et c'est qui prend son temps? Bien, t'as un grand garçon. Savoir que souvent dans les scripts avec ce guignol là, il faut bien faire attention à pas aller trop vite. J'ai une dette envers vous. Parce que voilà, c'est comme. Ce sont les résultats de notre dernière expédition. Je suis sûr que le bar. Si vous venez dans notre labo mobile à Yanta. Comme l'autre guignol qu'on voit. À Agroprom. Si on va directement dans le tunnel et qu'on ne discute pas avec lui avant, ça va couper certaines possibilités au cours de la quête. Ici c'est la même chose, je crois que si tu avances trop vite, lui bah, en fait il continue son script, mais comme si tu étais arrivé à Yanta. Logique vu que t'es arrivé à Yanta. Mais genre il te donne pas la clé USB. Ou une connerie dans le genre. Je suis plus sûr qu'avec lui il y a ce problème là, mais bon. C'est un problème bien présent. Faire gaffe quoi. Et l'autre concis. Eh oh. Eh oh. La seule personne qui peut y aller, vous le savez bien. Il est fondamental qu'on prenne les mesures totalement. Maintenant. Je vais nulle part tout seul. Je vous en supplie, s'il vous plaît, faites-le. C'est vital pour tout le monde.
ravi, je n'en ai pas. Par contre, j'ai des armes. Et des artefacts. Ouais. Pierre les sort. La combi de merde. Je vais te la garder. Ah bon, il y avait ça dans le vanilla ? Non, je m'en rappelais même plus. J'ai toujours pensé que ça faisait partie d'un mode. Enfin, toujours. Pendant un moment. À force, tu ne sais plus ce qui fait partie de la réalité et ce qui ne fait plus partie du réel. Eh oh. J'aurais dû récupérer 83 balles. Bon ça. Eh oh. Ah, le... Merde. Bon, allez là. Re Mister X, et je te re-emmerde. Someday. Well, actually, today I'm going to... stop the stream. Approximately half an hour, because I have a meeting tomorrow. So I'm going to eat early and shit like that. Or maybe after my stream. But obviously I've lost my rank since I play on and off for 2 or 3 days, then I stopped playing for a few months. I'm probably going to be a dead weight. More than probably. And yeah, I don't know how we are going to play since I have no rank at the moment. Oh yeah. I think I still have the external launcher. Not sure. Le plus monumental du monde. And yeah, I was asking you, do you see the Cash remake? Looks good. Yup. Вижу сталкера. Yep.
tire dans le mur. Rien que ça. Ah, une lunette. Parfait. J'attendais avant de pouvoir équiper ce genre de pipiouteuse. Yeah. That's actually the point everyone is making. But really, to be honest, I'm going to be fucking awful. Celle-là. Et je crois que c'est le bon stuff, ça, en plus. Là, je suis en surcharge. Bon, bah, l'endurance descend pas trop vite. Mieux quand même, hein, mais bon. Gardez un petit peu de endurance. Squeaky, I don't remember what I've done to Squeaky. Oh, window. Presque un artefact buggé derrière le mur. Stalker, protège le monde de la zone. Engage-toi dans la faction du devoir. Oh merde, j'ai laissé mon AK. Ah, je dois repasser là. Mais... Ah, bon. Alors ça plus besoin, ça je vais vendre en fait. Très utile, Stalker. Viens, viens. Il y a toujours quelque chose d'intéressant pour les gens comme toi. It's because I forgot about my modified AK 74. Ah merde, j'ai aussi oublié le... Bref, je me répète, c'est pas grave, on va devoir y repasser de toute manière. Je vais avoir des trucs dans tous les sens. Imagine quand j'ai dit AK ou un truc dans le genre. Ou alors, il parle des sons du jeu, en fait, de la radio. Bon, après, là, j'ai peut-être fait le con, parce que...
Mon TRS, je vais pas le garder ad vitam. Il est déjà amoché. Et j'ai des munitions que de 5,56. Donc ça risque d'être la merde. J'imagine qu'il parlait des haut-parleurs. Parle, salopard, ou je te fais sauter le caisson. Pitié ! Par pitié, me tue pas ! Ton équipier a été emmené dans une usine désaffectée. C'est tout ce que je sais, je le jure. Ok, pourriture, je te laisse vivre. Mais évite de recroiser mon chemin. Hey, toi, viens par là. Aide-nous à libérer notre pote de ces enfoirés. Suis-moi. Je connais un bon endroit pour tendre une embuscade. C'est en remerciement de ce que t'as fait pour moi. Oui. Les mecs du devoir règlent toujours leurs dettes. Faire gaffe parce que souvent les PNJ ils ont tendance à mourir à des moments où il faut pas. Et bizarrement, c'est très embêtant. Cache-toi de l'autre côté de la route. Ils vont bientôt arriver. Ouvre le feu après moi. Привет. Actually, just to be clear, I don't understand Russian. Merci mon pote. Viens discuter un peu. Je sais un tout petit peu lire le cyrillique, mais bon, si c'est pas un mot qui ressemble de près ou de loin à du français, je saurais pas dire. Hein. Il a dit il a mis une infection négative.
Ah, j'imagine qu'il avait... Ouais, qui signifiait pas besoin de le virer ou un truc dans le genre. Thanks for the follow. Pas parlé. Passe mal. Homogé. j'ai toujours entendu ce mot là pas mal de fois, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je remarque qu'il y a un mec du devoir qui se barre quand on commence à tirer. Niadrouski. Ah, j'ai compris que tu lui demandes comment ça va. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est en dessous, ouais.
C'est assez loin. Bien cher. Ouais, c'est compté qu'en mettant en intérieur, parfois les ragdolls disparaissent. На, козлина! Insultant. Pas insultant, un autre monde, lui. Calibre 12, on se rend. Tape assez violemment. Ah.
Du mal à trouver l'entrée de la cellule. Sortez-moi de là! Je vais bientôt crever sinon! Hé hey, Stalker! Sors-moi de là! Ouvre la porte de cette foutue cellule! Les commandes sont sur le mur! Merci mec! Tu m'as vraiment sauvé la vie! C'est vrai, bon, ce genre a rassemblé par l'instruction d'une particule qui donne accès à l'usine. Ah! J'en suis arrivé là, mais je suis dans des gens surcharge. Pas qu'un peu. Attends, je crois que c'est ça l'autre fois que je t'avais dit à propos de la guitare en fait. Je crois qu'elle est dans celui-ci. C'était soit que dans. Voilà, voilà. Là, tu peux la ramasser, mais elle sert à rien. Je sais pas si tu peux la vendre. Écoute-toi. Figure-toi, dans 5 minutes, je compte couper le stream. Donc toi aussi on t'emmerde Mister X et à demain. C'est quand même moins dégueu que ce que je pensais. On a de la plus inutile du monde.
C'est donc l'Erska et qu'on vient ici que c'est le bordel absolu. Ouais, je vois, il est sûrement dans l'entrée du sous-sol. À 47 kilos. Bon, je fais mon compte, ouais. Pas besoin non plus. On a non, ça non plus. En tant qu'anti-radiation, on a tout ce qu'il faut. Pack 200, allez, on en prend 4, 3 et 2. Et bon, comme je vous l'ai dit, restez là pour aujourd'hui. Demain, on fera un stream comme d'habitude, hein, et un peu plus tard. Mais là, voilà. On va bien être prêt assez tôt que pour être en forme pour mon rendez-vous. Le dentiste. Ça bouge dans tous les sens. Et voir stream après. Qui est important. Bref, sur ce, j'espère que ce petit stream vous a plu. C'est une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine. À plus.